Dans cette vidéo, les 4 joueurs présents, Benjamin, Anthony, Lucas et un autre mec hyper beau gosse, auront 6 différents challenges à relever. Et pour ça, ils auront 1000 secondes. Celui qui en réalise le plus en 1000 secondes gagne la partie. Allez, let's go! Ah oui, pour ceux qui se demandent, 1000 secondes, c'est 16 minutes 40. Allez, let's go! Eh bien, bonjour messieurs! Mais bonjour, bien cross, comment ça va? Bonjour. Arrête! C'est quoi, c'est un kimono ou c'est une tenue Pokémon? Non, ça c'est des basques. C'est la feria et tout, c'est... Je reviens le week-end en fait. Bonjour Lucas. Bonjour à tous, est-ce qu'on va bien mon dégradé d'ici ou pas? Avec le béret quand même. Heureusement non. Ben bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce fabuleux monde de Pokémon. Le monde où on n'attrape que des Pokémon. Et bienvenue à Anthony Lastella. Salut à tous, là. Alors pareil comme Lucas, je sais pas si on va bien mon petit dégradé. Alors, ouais, malheureusement il est dans le mauvais sens. Naturel. Mais... Ah ouais, je dis pas trop court là, mais je sais pas. On a 1000 secondes pour faire un maximum d'épreuves dans cet open world. On va pouvoir aller où on veut. On aura des juges arbitres à chaque épreuve qui vont valider ou non notre épreuve. Au bout des 1000 secondes, celui qui a validé le plus d'épreuves. Il a gagné le droit d'enlever ce béret ou pas? Non. Ça, on l'aura jusqu'au bout. On fait cette vidéo à l'occasion de la sortie de Légende Pokémon Arceus, disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le jeu sort demain par rapport à la sortie de cette vidéo. Yes! Le jeu dont je vous parle aujourd'hui remet tout à plat. On est dans un monde un peu à la Zelda Breath of the Wild. C'est un peu le jeu comme on l'imaginait quand on était petit parce qu'on a la vision du dessin animé où ils font des quêtes pour trouver des Pokémon. Eh bien, c'est ça ce jeu. C'était un petit rêve de gosse de faire ça dans la vraie vie, c'est vrai. Là, ce qui me tente en voyant un petit peu les images du jeu, c'est de pouvoir parcourir tous les paysages sur des dos de Pokémon. Si Uber avec sur l'eau classe, quoi. Je n'ai pas la ref. Hein. Les plus fans d'entre vous vont adorer la liberté d'exploration parce qu'en vous baladant, vous allez voir des Pokémon dans des buissons. Dans des arbres. Sous ma chaussure comme ça. Là. Sous une chaussure de Lucas. Dans la calvitie de... Hop là, c'est Florizarre qui est là. Hop là. Le gameplay change pas mal par rapport au jeu précédent puisque là, on est sur un mode de capture différent selon le Pokémon. Un Dracaufeu, ça ne trappe pas de la même façon qu'un Tortank, j'imagine. Écoutons l'expert, monsieur. Voilà. Genre à l'époque, on jetait une Pokéball et on capturait le truc. Maintenant, faut l'emmener au resto, faut lui envoyer des petits SMS. Lipoutou, moi, je vais bien au resto avec Lipoutou. Lipoutou, je l'adore. Oh là là. C'est l'occasion pour les plus petits comme les plus grands de rejouer de découvrir Pokémon avec un nouveau gameplay moderne. Avant de commencer notre 1000 secondes challenge, qui a eu Pokémon et quelle version? Moi j'en ai eu plein, je m'en souviens, j'ai commencé par Emerald à l'époque. J'en souviens qu'un jour je rentrais d'école primaire à Savas, j'ai eu Diamant et j'ai joué tout le midi, je suis pas allé en cours l'après-midi. C'était lundi non? Ouais, c'était lundi dernier, ouais, c'est ça. T'as eu quel toi? En fonte, t'as un truc en fonte, voilà, qui passe au four, un truc sympa quoi. C'était... T'as eu quel toi? Moi j'ai eu le bleu première génération et j'ai eu le jaune parce que j'ai deux grands frères et j'ai eu le rouge. T'as eu le jaune? J'ai eu le jaune sur Game Boy Color. Avec Pikachu dessus. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour partir pour le 1000 secondes challenge? Pokémon, attrapez-les tous! On va se téléporter juste ici? Bah on y va? Bah ouais, c'est juste comme ça, sans cut. Hein. Ah. Chacun a son cadreur. Les jeux, vous connaissez les règles. J'expliquerai aux gens qui regardent cette vidéo les règles des jeux au fur et à mesure où on arrive. Est-ce que c'est parti pour 1000 secondes challenge? Allez! 3, 2, 1, 1000 secondes challenge! Arrête, ça part, arrête, tu m'as niqué 2 secondes! Je vais aller tôt! Je vais ici. Oh, y a un chien. Bonjour! Bienvenue dans l'épreuve d'agility. Viens. Hop, bonjour. Bienvenue dans le parcours de Hobbes. On se retourne, on voit pas le labyrinthe. Vas-y, je tentais là-bas là. Salut, je reviens. Bonjour, monsieur Lucas Studio. Oh là là! Oh, je le reconnais. Alex, c'est à lui que j'avais fait le... l'ananas. Petite image. Ok, 1 minute à tenir. Tu chronomètes bien et sois sympa. Hein. Tu me dis quand t'es prêt, c'est bon? Attends, comment on tient? Vas-y. Allez, c'est parti. Je profite de ce moment de grâce pour vous expliquer les règles de ce challenge. Ici, le joueur sur le dos du taureau doit tenir en cumulé 1 minute, peu importe le nombre de fois où il chute. On a fait ce challenge parce que dans le jeu Légende Pokémon Arceus, vous allez pouvoir monter sur le dos de certains Pokémon pour vous déplacer plus vite dans les différents paysages. J'ai fait combien de temps pour l'instant? 3 secondes 52. Allez, vas-y. Franchement, ça fois 1000. Allez, viens, Oli. Regarde. Tu passes par ici, Oli. Allez, saute, Oli. Super, super. Ensuite, tu reviens là. Oui, oui, on fait équipe, Oli. Oui, oui, on fait équipe. Allez, viens. Ok, c'est parti. Première épreuve. Donc là, c'est bon, je peux aller. C'est bon, vas-y. Si tu galères, je t'aide pas du tout, mais t'inquiète. Oh, c'est super long. Ah là là, ils m'ont bien eu. Je suis en train de perdre du temps là. Eh ben, on fera pas demain, Fort Boyard. Fort Boyard, c'est pas pour maintenant. Premier lancé. Non, c'est raté. Ok, attention, en droite. Je suis très très nul en hand, c'est dramatique, ce niveau est lamentable. Oh oui, il est passé. J'avais pas encore la technique. Ouah, attends, ah, vas-y, c'est bon, vas-y. J'ai pas trop la technique pour l'instant. Ah. Cette espèce de problème d'équilibre que j'ai. Ça peut être très très long de tenir 1 minute là-dessus. Hein. Ah, je me suis déjà fait mal. Allez, viens, tu veux sauter?
Viens, je perds des secondes, Oli, je t'en supplie. Perdre des secondes, Oli, on le sait, c'est parfois frustrant. Bref, ici, le but du jeu, c'est de faire un parcours d'obstacles aller-retour avec Oli, ce gentil toutou. On fait ça parce que dans Légende Pokémon Arceus, vous pourrez avoir des Pokémon dans votre équipe qui vous accompagnent dans l'aventure. Écoute, ma copine, je vais te laisser, je suis en train de perdre trop de points, regarde, je te le donne. Je te dis merci. Mais malheureusement, je vais perdre, t'étais très très belle. Bon, désolé, Oli, et elle a bien raison, elle a pas voulu m'écouter, je vais passer à un autre truc. Et on y est presque, là. Ah, mais c'est horrible, je suis plus tout jeune, moi. Oh, félicitations, c'est okay, terminé. Ça. Merci beaucoup. Hein. De rien, écoute. Merci. Ah, attends, ça filme encore, là. Bisous, hein. On s'appelle après l'épreuve. Allez, vas-y. Oui. Le deuxième. Ouais, let's go. C'est mon ref, c'est mon frère, je l'ai retrouvé. 15 ans que je le cherche, merci frérot. Vas-y. Allez, c'est parti, let's go. Non, mais attends, ça va trop vite. Allez, s'il te plaît. Tranquille, hein. Niveau 1, tranquille, hein. Ah, je suis obligé de passer au niveau 2, là. Ah, c'est le 2, là. Je tiens mieux au 2. Bonjour. Ça va? Pour réussir mon épreuve, yes. Faut mettre 3 boules dans 3 différents trous. Ok. Bah voilà, il a fait mon taf de voix off, il a tout expliqué. Donc je précise juste que dans Légende Pokémon Arceus, vous allez pouvoir attraper des Pokémon en pleine nature, comme ça, à la volée, d'où cette épreuve. Oh, elle est bonne. Il faut que j'épuise la force de Sacha. Ok, c'est parti. Tu vas bien? Sure. Ça va, tu vas bien toi? Bienvenue dans l'épreuve des jeux de mots. Super, on est pas mal ici hein. Ici, le but c'est de trouver au plus vite 5 jeux de mots avec des noms de Pokémon. Pour le coup, il n'y a aucun rapport avec le jeu, c'est juste qu'on aime bien ça. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? T'es prêt? Ouais, vas-y, dis-moi. Je suis un Pokémon dragon qui cuit des pizzas dans un four traditionnel. Drac au feu de bois. Bonne réponse. Elle est belle celle-là. Ça mon ref, tu vas bien? Tu dates mon gars, comment tu vas? Bienvenue dans le parcours des hautes herbes. Hop, on se retourne, on regarde pas. Attends, faut là, c'est juste je trouve le labyrinthe. C'est juste un labyrinthe toi. Attention au Pokémon dedans. Hein. Y'a pas de serpent? Si. Non. Si. Non, non, y'en a pas, y'en a pas. Putain, c'est pas là. Ah si, peut-être là, attendez. Ah non, c'est pas là. Oh ouais, par contre, j'adore l'herbe synthétique, c'est un vrai délire. Je raconte ma vie en même temps. En vrai, les champignons, c'est hyper bon, genre les CF et tout. Oh la dinguerie, si je te l'as. Mais ouais, c'est trop simple. Let's go. Bravo, félicitations. Merci, mon ref. T'as le badge d'arène. Allez. Ah, c'est pas le 2 ça! Si, c'est le 2. À toutes les pizzas indiennes de France, je vous déteste. Je viens de manger une pizza indienne. Actuellement, je vous déteste. Je suis un Pokémon obèse réputé pour son lourd sommeil et un employé très arrangeant sur les horaires de travail. Rond, flexible. Très bonne réponse. Je suis un petit Pokémon de type feu et un plat à base de mouton. Ça l'a méchoui. Très bonne réponse. Oh, le truc du chien, je voulais pas le faire, les gars. Heureusement, je suis un fan de chien. Ça va, mon ref? Ça va. Bienvenue dans l'épreuve d'agilité. Ça va, comment il s'appelle? C'est Oli. Oli? Il est où, Biclo? Bien joué. Je rigole, arrêtez le fou rire. Hein. Allez, c'est parti. Allez, terminé. C'est bon. Je crois que je l'ai fait en 1000 fois en fait. Je suis un petit Pokémon rose réputé pour endormir ses congénères, surtout dans les festivals en Belgique. Rondedour. Très bonne réponse. Oli. Non, là. Oli. Elle m'aime pas? Je suis vexé là. J'ai l'impression de faire peur à quelqu'un, c'est la première fois que ça arrive dans ma vie. Attends, comment je vais faire? Je sais pas quoi faire. Attends, j'attends parce qu'en vrai, je vais pas te mentir que dès qu'il y a un autre poste qui se libère, les gars, on dégarpille là, je le sens pas là. Bah, crois, qu'est-ce qu'il fait là-bas là? Il s'est vengé. Exactement. Oh, il y a la labyrinthe. Je veux la labyrinthe. C'est bon, je crois qu'il a perdu. Il est parti, battant. Ça s'est libéré là-bas, salut. Tiens, c'est cadeau. Oh, bon. Tu restes mon ref, c'est pas grave, t'inquiète, frérot. On se revoit bientôt. Essaye de mettre moins de puissance, plus de précision. Ok, bien joué, bien dit. Allez, deux. Allez dedans. Allez, encore une. Allez, Benjamin, concentration. C'est méga dur ce jeu, par contre. Ah, toi, on est bon, merci beaucoup. Finalement, changement de stratégie, on va au rodéo. Ah, il me fait peur, ça, le rodéo. Salut. Mais salut à toi, bienvenue à la Tauro Machine. Alors, je crois que j'ai capté comment ça marche, malheureusement. À partir de maintenant, je vois plus rien. Ça me fait peur, sauf que là, forcément, je vais mourir. Ok. J'y vais. Bon, vous avez compris, c'est assez simple. Ici, le but, c'est de ramper à travers ces hautes herbes pour sortir au plus vite du labyrinthe. On a créé cette épreuve parce que dans le jeu, vous aurez pas mal de phases d'exploration dans la nature pour chasser des nouveaux Pokémon. J'ai aucune idée où il faut aller. Je pense que c'est vers là. Oh, je pense que c'est vers là. Ah. Ils ont mis un faux gazon qui est l'équivalent de quand je faisais la bise à ma grand-mère à Noël. Je suis un Pokémon oiseau et un rappeur de NTM. Roukoulchen. Très bonne réponse. Bah allez, je vais pull up d'autres trucs. Salut ma poule. Merci à toi, je t'aime. Oh putain, Anthony, c'est barré là-bas, j'ai envie de le faire. Attendez, changement de plan. C'est fou ce qui se passe, je reviens tout à l'heure, mon ref. Excusez-moi, changement de plan, je suis sûr que j'aurais pas tenu au rodéo là-bas, j'ai trop envie de le faire. Ok. Ça a l'air pas mal, j'avance encore un peu. Attends, ça va peut-être la sortie. Oh là. Oh oui, ça va. Quelle rapidité. Ça gratte un peu là. Mais je vais vomir, hein. Mais quelle idée. C'est fait. Félicitations. C'est fait pour Kroski qui a gagné du temps là. Et je passe ici, bonjour. Et bonjour, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Hein. Super, je vais devoir rester une minute là-dessus. Allez, une seule main. C'est parti. C'est trop costaud. Olé. Je suis désolé de te faire du mal. Oh ah. Combien de secondes? T'es à 16 secondes là. C'est tout?
Bienvenue à l'épreuve d'agility. Alors, pépé. Allez, tu tournes encore. Allez, encore. Voilà. Allez, saute là. Allez, viens. Allez, encore. Voilà, saute. Voilà. C'est trop bien. T'arrives à me suivre, regarde. Passe mon jambe comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Elle arrive pas à me suivre si je fais ça et ça là. Attention en dessous. Salut frérot, comment tu vas? Ça va bien et toi? On est là. Bienvenue dans l'épreuve des jeux de mots. J'aurais tellement dû aller dès le début, c'est trop bien. Je suis l'évolution du Pokémon le plus emblématique de la licence et j'adore les plats fermentés allemands. Raichu Krout. Très bonne réponse. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Oh, je suis petit aussi. Mais me fais pas ça, moi je t'aime. Me rejette pas comme ça. Eh, c'est physique en plus. Oh, Je me perds. Je reviendrai tout le temps. Que tu le veuilles ou non. Attends, mais tu sais quoi, viens, on va aller à l'escalade. Si je vais pas à l'escalade maintenant dehors, il va y avoir un gros bouchon tout à l'heure. Allez, encore. Allez, saute. Allez. Oui. C'est bien. Nickel, c'est validé. Yes, ça c'est mon meilleur Pokémon, ça. Bravo, Oli, c'est la meilleure. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Merci, Oli. Je suis un Pokémon cousin du homard qui danse sur de la musique brésilienne. Attends, je crois que je l'ai, c'est pas... Je l'ai pas. Changement de plan d'un coup. Je suis un Pokémon obèse réputé pour son lourd sommeil et un employé très arrangeant sur les horaires de travail. Rond flexible. Très bonne réponse. Je suis un Pokémon de base et une grande enseigne de prêt-à-porter. Carapuce, Bulbizarre. Très bonne réponse. C'est vrai, let's go. Autant de kiff qu'au bac. Ok, Pierre. Ça va? Ici, le but, c'est d'aller toucher le buzzer en haut à droite du mur en ne passant que par les prises jaunes. Pourquoi de l'escalade? Parce que dans Légende Pokémon Arceus, vous allez devoir courir, nager ou même grimper pour vous déplacer. Voilà, c'était la dernière voix off de cette vidéo. Moi, je pars en week-end. Ciao! Que les jaunes. Le tour en espadrille, hein? Le tour en espadrille, oui. Je conseille vraiment à tous ceux qui se mettent à l'escalade. Investissez plutôt dans les espadrilles. Les chaussons d'escalade, comme ça, c'est surfait. Pokémon, attrapez-les tous! Allez, ma coquine! Allez, 10 secondes, ma coquine. Ah oui, on l'a fait. Encore combien? 6 secondes. 6 secondes, on l'a fait. Poussez-vous. Le dresseur, est-ce que vous connaissez les règles? 3 balles dans différents trous. Ça va être gai, toi. Allez, c'est parti. Attendez pas les enfants à la kermesse. Ah. Allez, la première. Allez, bonne. Il t'en manque plus qu'une. Oh, allez, c'est bon, c'est validé. Banks. Et vite, Bulbizarre. Charlotte à Bulbizarre. On passe à l'escalade. Alors attends, mais je vais où? Tout en bas, ton pied gauche. M'aide pas trop, hein. Enfin, si moi tu peux m'aider, mais les autres, tu les aides pas trop. Normalement, moi je suis à Bourg-Palette. Donc à Bourg-Palette, j'aime bien me poser. Mais là, j'ai pas trop le temps. Y'a quelqu'un qui arrive là? Ah, y'a Pierre, vas-y, on fait une autre. On va à Carmin-sur-Mer. Je suis un petit Pokémon rose réputé pour endormir ses congénères, surtout dans les festivals en Belgique. Rondoudou. Attends, c'est quoi en Belgique? Déjà, rondoudou. Rondoudour. 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 Je suis l'aiguille d'une abeille et je suis cucu. Je suis cucu? D'Artagnan, non. D'Artagnan, ouais. C'est ça, j'ai dit ça au hasard. C'est ça. Bon bah let's go, je crois qu'on est bien. Je sais pas où aller parce qu'en vrai là-bas il y a quelqu'un, là j'ai déjà fait. Est-ce qu'on retente le frérot ou le chien là? Deuxième chance. Les autres ont réussi derrière toi. Hein. C'est vrai? Non, ouais. Je suis hyper vexé. Oli, s'il te plaît. Mec, on est ensemble, ok? Allez ma coquine. C'est terminé, c'est bon. Terminé. Merci. Je dois aller directement au labyrinthe. Je suis essoufflé en fait, parce qu'à la base j'étais pas prêt pour faire ça. On m'a dit viens pour un tournage Pokémon. Je me suis dit on va jouer à la Game Boy, on va jouer à la Switch, tu as le nouveau jeu, tu parles. Moi j'avais pas signé pour ça à la base. On va le faire quand même, bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce serait pas Tauros? Ouais, je connais un peu les différents Pokémon, tu vois. Le problème c'est que j'ai fait beaucoup trop de Tauros juste avant. Allez, le buzzer, en haut à droite. Oh non! Quelle faiblesse de corps! Ah là, pardon. Je reviendrai, je vais me reposer au jeu de mots. Je fuis, je contourne le problème. Allez, monsieur dame, c'est le labyrinthe. Ah, bloqué, on démarre. C'était le mauvais bail. Je pense qu'on va partir par là-bas. Est-ce que c'est ici? Oui, j'ai trouvé en très peu de secondes. Je vais aller au mon dernier jeu. J'ai aucune ref en Pokémon. Alors, qui c'est qui va galérer un peu là? Bah, c'est toi. Ah, mets-moi bien après. Hein. Mets-moi bien en mode tranquille, hein, pas en mode. Ça me rappelle avec ma femme. Allez, c'est parti, niveau 1. Oh la vache! Ok, donc faut bien tenir là. Quoi. Allez, on passe à la vitesse numéro 2 là. Vas-y. Oh la vache! Ça repart la 2. Oh let's go Oli. Ok. Bouffe pas l'écharpe, hein. C'est incroyable ce qui se passe. Je suis un homme heureux. Vas-y là. Ouais, mais il m'a eu, putain, je suis trop con, wesh. On est où? Rate comme je te mets bien, let's go. Oh oui, putain, c'est incroyable ce qui se passe. Oli, on s'arrête pas, mon grand. Never give up, comme on dit ici en humain. Oh oui, et pourquoi pas? Mec, je te donne ça fois 1000, ok? Tu gagnes ton poids en croquette si tu passes. Let's go. Attends, faut faire le retour là? C'est si long. Vous avez le temps, 5 minutes. J'ai plus de bois.
J'ai failli l'escalade. Je suis une merde. Ah ouais, la première au milieu. Oh, je sens le talent pur là. Il y en a qui ont réussi? Ouais, bien sûr, tout le monde a réussi. Bonjour, au grand sage. T'es prêt? Je suis prêt. Je suis l'évolution d'un Pokémon cheval de type feu et j'ai créé une danse virale qui a été la première à cumuler plus d'un milliard de vues sur YouTube. C'est le flash mob quelque chose? Non, c'est pas ça. Tu veux quoi? Ça va. Mais je suis trop bête, tout beau. Tu veux quoi alors? Non, vas-y, c'est un jeu, vas-y, tranquille. Ça devient un effort. Allez, essaye un autre 3, allez, bonne. Allez, encore une. Non, allez, crotte. Il perd son sang-froid. Tu me fais faire trop de sport, Pierre. Oh, elle touche les bords. Je suis l'évolution d'un Pokémon piaf et je me fais inviter dans des cocktails pour manger gratuit. Pika assiette. Non, c'était pas ça. Je suis l'évolution d'un Pokémon canard et un fervent supporter de Black Panther. J'en ai aucun. Fais-moi niveau 14, s'il te plaît. Vitesse maximum. Let's go. Mais frère, c'est impossible. De toute façon, on a fait les secondes là. Félicitations. Allez, moi j'ai un peu le temps, donc on va se faire 1000 pompes ici. Heureusement que j'ai un chien, je me suis entraîné pendant 15 ans. Et visiblement pas assez, mais. Oh, j'ai une idée, Rad. Il est là, vas-y, Rad. Non. Ok. Bon, on l'a pas vu le dernier, t'inquiète. On l'a pas vu. C'est incroyable ce qui se passe. Let's go. T'es le boss. T'es grand Oli aujourd'hui. Vas-y, merci beaucoup. Je suis un Pokémon de type roche à deux bras qui se cogne régulièrement dans les coins de table. Je ne connais aucun Pokémon. T'as pas, je suis un Pokémon gigantesque de type roche et je galère à trouver ma taille chez H&M. XXL quelque chose? Ouais. Non, c'était Onyx XL. On va faire l'escalade? Allez, let's go. C'est moi le plus nul ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il est malade! S'il me rend dans une Pokéball, je fais comment? Moi, qui c'est qui va me sortir? Mais c'est pas vrai! J'invente des concepts pour finalement pas y arriver! Tiens, toi! On s'attaque au dresseur! Je suis l'évolution du Pokémon starter de type feu qui aime les condiments venant de Bretagne. Guérande quelque chose? Sel et mèche? Oh, t'es pas loin. Sel et poivre? Poivre au cube? Épices aux flammes? C'est curcuminbule? Non, mais là, il n'y a plus rien à faire. Ouais, hein. C'est pas, il y a les. Avec clou de girofle au flash. Bon, désolé, je vais devoir y aller. Là, il n'y a rien du tout. Merci beaucoup au grand sage. Oh, désolé de t'avoir abandonné. Hein. On sent qu'il est vexé, je suis désolé. Un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Non, mais mec, c'est sûr, je vais mourir là-dessus. J'arrive même pas à monter dessus. Attends, t'inquiète. Ça arrive, c'est un peu toi à démarrer, tu sais. Allez, let's go. C'est le niveau 1, ça. Pour l'instant, je suis solide sur les appuis, Lucas. Oh, la concentration est folle. Pour l'instant, ça va. C'est combien de temps? Ça fait 2 minutes. Ouh, wesh. Comment tu peux rester humainement là-dessus, là? C'est impossible. Putain, mais c'est pas vrai. Oui. Allez. Oh, Mathéo. Bonjour, monsieur. Oh, Mathéo, je reconnais. J'ai fait une blague hier. Je suis un Pokémon en forme d'aimant et un personnage de BD qui a une mèche blonde sur la tête. Magnétite. Très bonne réponse, bravo. Ok, le second. Bonjour, monsieur. Comment il va? Je vais souffler, j'ai fait du taureau, là. Allez, c'est parti. Si tu tombes, tu recommences aussi. T'as pas le droit à l'erreur. Prendre la petite jaune. Petite jaune ici. Ok, redescends plus vite, là. Non, pas la main au-dessus. Oh, là, attends, il m'a vu. Je suis un petit Pokémon se baladant toujours avec un os dans la main et très mauvais au service de tennis. Au 7. Très bonne réponse. Je suis l'évolution d'un Pokémon fantôme Minus qui adore les alcools forts agrémentés d'épices. Spectre en arrangé. Oh là là, c'est beau, ça. Et là, je pars à l'escalade. J'ai tout perdu dans le jeu. Ah, mais là, frère, on est youtubeur à la base, nous. Ah non! C'est mort, je m'abandonne. Oh, t'es à l'escalade, c'est dur, on va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi bien. 15 ans d'escalade, c'est ce que je te dis. Merde! Je suis un Pokémon à deux têtes de type poison qui danse nu dans les boîtes de nuit. Smogogo Danteur. Très bonne réponse. Attends, et après, ça repart vite, là? Là, ça repart niveau 2, ouais. Et ça existe, niveau 3? Personne n'a réussi pour l'instant. Ah bah, j'imagine, c'est normal. Wow. Bah, je crois que j'ai pas réussi, hein. Attends, juste aller voir là-bas quand même à quoi ça ressemble. Ok, c'est pas grave, merci quand même. Ouais, grand plaisir. Oh, c'était un rêve de gosse. Ah, c'est un plaisir, ça. Bon, à pas se mentir, celui là-bas, c'est l'escalade, c'est impossible que j'y arrive, j'ai trop peur. Pousse sur ta jambe gauche, essaie d'aller chercher en haut. Ouais, mais après, je m'accroche où? Ah, mais je fais 1m74. Je préviens tout le monde. Hein. Ouais, je vais où là? Je suis Keblo là. Oh! Je n'y arriverai pas, je préfère prendre mes 1000 secondes pour aller refaire le chien. Je suis désolé, je vais la jouer timing. Vas-y Lucas. Je sais pas quoi faire là. Allez viens Lucas. Allez, on t'en dit fait, mec, ça me fait trop peur ça. Et l'escalade, je te jure, je déteste ça. Personne n'a encore réussi. Ah bah genre c'est moi qui vais réussir. Alors c'est toi que j'attendais depuis des années. Ça y est, t'es là, t'es devant moi. J'ai dû attendre jusqu'à 29 ans mon grand.
Qu'est-ce que tu coûtes cher quand t'as sur une carte, toi? Je peux acheter un appart avec toi, tu savais ça? Tu sais ça, hein, vieille branche. Je suis l'évolution du Pokémon Starter O et un sniper d'exception à la télévision française. Karabafi. Très bonne réponse. Je les ai tous. Bravo, Pierre Cross. Faut que je fasse le chien. Bienvenue à l'épreuve d'agility, je te donne quelques friandises. Il reste très peu de temps. Ah, il passe le chien, le pot. Il m'a tué le chien, je vais être obligé d'attendre. Oh, c'est Oli. Bonjour, Oli. Tu veux ça? Allez, viens, 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 viens. Tu viens, 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 viens. Non, 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 tu viens là, viens là. Viens là, Oli. Vas-y, vite, vite, il reste 50 secondes, Oli. Il me manque juste le chien. Tu peux me donner un moment. Je vais y aller. Non, viens, Oli. Oli? Tu veux qu'on aille, Oli? Non, viens, Oli, le chien. Ah, est-ce que tu m'as proposé qu'il m'a proposé qu'il est malade ou quoi? Oli, viens, Oli. Oh non. Yes. Je pense que ça va pas être si mauvais, je suis plutôt content quand même. On a fait 4 sur 6. C'est la fin du jeu. Allez, tiens, Oli, je te les donne, t'as quand même gagné. Attends, attends, je donne pas tout. Je vais tout donner à Oli. Ah bah, tu vas pas, ça va pas, non? C'est du bacon, non? Fin du jeu. Attends, on est à combien de résultats acquis là? Alors, j'ai acquis les Dracofeu, hein, le Buffalo et le Labyrinthe. 3 acquis, le chien t'as pas réussi? Non, le chien il a pas voulu, à un moment donné, il a dit c'est bon, j'ai cramé ton truc. Anto, combien? Moi j'ai fait chien, Labyrinthe, Dracofeu, je crois que j'en ai mis 2 sur 3, je suis pas sûr. Il a fait? Ah oui, j'en ai mis 3 Dracofeu. Je crois que j'ai mis 3, hein, escalade, j'ai pas fait. Et taureau, taureau, j'ai chié un peu. Hein. Un petit peu, mais non, t'as réussi. Quand même. Il est tellement modeste, il oublie deux trucs. Bah oui, moi j'étais dedans, mais je reprends mes esprits là. En taureau, là, c'était là. Oh, ben. C'est bien ça. Lui, Carapuce. Oh, bien sûr. Moi, j'ai fait le Dracofeu, après le Labyrinthe, le jeu de mots et les chiens. Attends, tout le monde a fait 4. Donc on est égalité totale. Moi, j'ai fait jeu de mots, j'ai fait Labyrinthe, jeu de mots, chien, Dracofeu. J'ai fait ça en fait. Bah t'as 5 toi là. T'as 5 en fait. Bah allez, j'ai 5. Anto! Et voilà quel crack! Il part de. Je crois que j'en ai fait 2. Ah, il en a fait 5 en fait. Ça. Une fois j'avais tous les numéros du loto et je savais que j'avais gagné. Je sais même pas le bureau. Ah non! C'est 600 millions d'euros, je crois. Est-ce que ce concept vous a plu? Oui! Ça a mis la pression ou pas? Incroyable! Ah ouais, et physique, hein! Eh bien, j'espère qu'on refera ce mini-second challenge peut-être dans un autre monde. Merci encore une fois à Nintendo d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo à l'occasion de la sortie du jeu Légende Pokémon Arceus disponible dès demain. Disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Merci Anthony, la chaîne en description, merci Ben, la chaîne en description, et merci Lucas, la chaîne en description, mais celle d'Anthony sera un petit peu plus haut puisqu'il a gagné. Yes! Vas-y, bah, comme t'as gagné, dédicace à qui tu veux. Dédicace à ma tante Régine, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, bisous à tata Régine, je te fais de gros bisous. Voilà. C'est beau ça. Fin de vidéo. Ciao.